pour un petit chat, et je vous avoue que là, je sais pas quoi faire. Là, je sais pas ce qu'on fait. On peut qu'on décide trois fois pour retourner en... Ok, il y a un plan. Chasseur. Ah bah, je me doute. Je me doute que ça va être chasseur. Donc, pour rappel, le chat... Le chat roux, c'est lui. Donc, c'est une carte chasseur. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres chats? Genre, on triche un peu, on joue... châtiment. En vrai, on peut changer de chat, non? Un chat, c'est un chat. On a déjà joué chasseur quête tout à l'heure. Les gars, un chat, c'est un chat. Allez, mage impair. Je pense que c'est plus fun si on se dit un chat, c'est un chat. Et au moins on s'amuse parce que bon, jouer une 1-1. Voilà, chat noir. Un chat roux, un chat noir, il est tombé dans. Je sais pas moi. C'est bon. Donc si votre deck ne contient que des cartes de coup impair, vous piochez une carte. Du coup, on va jouer Baku. Et Bacchus a dû, si votre deck ne contient que des cartes impaires, améliore votre pouvoir héroïque, ok. On affiche que les cartes impaires, très bien. Après, je sais pas ce qu'on fait. Ah, ils l'ont repassé à 3, ça, c'est cool. On pourra bien s'amuser tout à l'heure. Je check un peu les cartes, hein, je m'en souviens pas de tout. Ça, c'est incroyable. Magistère, je sais pas. Flambé, c'est sûr. Ouais, on va faire un deck Hero Power, mais... Le problème, c'est qu'il y a plein de cartes en synergie qu'on pourra pas jouer, quoi. Genre, on peut pas jouer Mordresh, ça craint un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est un cri de guerre. On peut peut-être jouer Bran. Double les dégâts de votre pouvoir héroïque. On peut essayer ça pour rigoler un peu. Du coup, un petit Bran. Être marrant avec Jeanne Allais. Et maintenant, genre, faut des cartes normales, genre de la pioche. Ça, c'est pas mal. On va juste compléter avec des bonnes cartes. Hein. Les sauts de givre, c'est bien. On peut jouer double bloc de glace.
On va pas jouer faisceau de givre du coup. Acolyte Cabal plus mage du Curintor plus secret. Wow. Oh, Shenvala. On sort des arcanes, on va faire un tel. Et on va jouer le décart. Hein. Varden, on peut pas jouer. Boule de feu roulante, j'avais oublié ça. Alors, A7. OB30. Faut jouer Masque de Cthulhu aussi. Et les runes. Reno, on peut pas. On va jouer rune, on va jouer coursière. On va jouer le T1 qui réduit. J'aime pas trop là, mais on va le jouer quand même. Ça, on va jouer. Vas-y, hop. Ah, il y a quelqu'un qui s'est endormi sur son clavier. Acolyte Cabal, Bacu. Ouais. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais voilà. Je pense que c'était le plus fun qu'il y avait à faire, de jouer un mage d'impair, histoire de voir un peu ce que ça donne. Parce que le rang jouer un chasseur bête sans aucune synergie autour, ça me paraissait pas génial. Oh, il est là, le chat noir. Personne ne survivra. Vous êtes là pour la visite ? Oh là 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 là. Oh. Jeanne Allée qui invoque un Ragnaros. Ok, il faut quand même que je commence. Peut-être que j'aurais dû faire ça à ce tour-là. Non, ce tour-là, je vais faire artificier, bloc de glace, pouvoir héroïque. C'est que ce tour, ça ? Merde. Chaque fois, j'oublie. À chaque fois que j'oublie, c'est que sur le tour. C'est dommage. La carte est tellement nulle. Ah ouais, je sais, pour le mana impair, mais après, dès que je reclique sur quelque chose, c'est chiant. Mais oui, je l'avais tout à l'heure. Excusez-moi, je connais pas toutes les cartes wild. En plus, je m'étais déjà fait avoir en duel il y a pas longtemps. Un voleur jade! Masque de Cthulhu. Et lui, oh là, faut que je passe tellement de pouvoir héroïque encore.
Quelle carte c'était ça? Bon, maintenant on a Van Cleef, c'est un peu meilleur, mais. À l'époque c'était ouf comme carte. En vrai, ça serait beau de finir avec un petit Ragnaros. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Le problème, c'est que quand t'as pas la 3-5, ni le petit esprit camouflé là qui fait que ça cible à côté, ça c'est trop long à déclencher. Je pense qu'on va juste ping sa tête 5 fois. Hein. Oh, que dis-je? Trois fois. Est-ce qu'on sera encore vivant dans 3 tours? Je ne sais pas. D'après toi, si on remettait Baku again, ça casserait le jeu à nouveau. Ouais, parce qu'en fait, ça apporte trop de stabilité. Puisque t'as forcément le pouvoir amélioré. Et le vrai problème que ça posait Baku again, c'est que du coup, toutes les parties étaient les mêmes. Parce que, par exemple, Paladin Impair, c'était juste tu cliques sur le pouvoir héroïque. Et toutes les parties sont vraiment, vraiment, vraiment pareilles. Et ça en devenait très chiant. Après, il y avait quelques exceptions. Typiquement, Mage Impair, c'était assez fun. Un voleur jade, quoi. Et moi, je suis là. Juste à le spammer de pouvoir héroïque, le pauvre. Oh, guerrier impair, c'était quelque chose aussi. Wouah, les synergies en face! Quand est-ce qu'on joue voleur jade? J'ai envie, moi aussi. Quelle carte, ça! Ça, on va tellement le jouer. Ok, je sais plus là, quel rang on arrive. Oh, le rang Murloc. Oh, j'ai une petite surprise pour vous là, pour ce rang Murloc. Oh, ça va être chouette.